On appelle de balle là-bas, de Ferrouli, le centre du Piémont. Il remet derrière Guardiola pour Mehdi Mostafa, quatrième but. Il prend un dévoilement à la baie, Sofiane Ferrouli, attention, ce ballon pour qui? Le ball qui remet à Boudbouz, Boudbouz qui décale bien. Et... On est 100% de ses capacités. Hein. Mais attention, il a du champ devant lui, il va tirer. Et il est soudain. Il n'est pas arrivé à le récupérer, mais il donne quand même une bonne balle à Mehdi Larsen. Mehdi Larsen pour Soudani. Lance sur Kadir, le centre et la tête. Avec coup de pause encore et pour rouler, il va centrer. Au deuxième poteau, il n'y a personne. Petit pressing là des attaquants algériens. Et Slimani va y aller jusqu'au bout. Alors que Nechnouch. Qui aura l'occasion de connaître davantage son groupe et voir à l'œuvre certains joueurs auxquels il n'avait pas donné leur chance, à l'instar de Soudani Antalya. Une dizaine de secondes, mais là, c'est Slimani qui a pressé sur le gardien. Là, on voit une express à l'OM. Une grande concurrence pour justement gagner. Chaque joueur veut gagner sa place pour cette CAN. Bien récupéré par Boudbouz qui tente. Tous les le centre était parti également. De jouer simple. C'est ça le plus compliqué dans ce voilà. Ils sont en train de considérablement gêner les joueurs du milieu. Ils ont essayé de jouer vers l'avant, oui. Il y a toute cette ambiance au niveau des. Pas beaucoup joué ces derniers temps comme titulaire, mais lui il est très utile toujours aussi à l'équipe nationale au niveau de la récupération. Très bon joueur, le Mouchia. Chute de Hamdi Yahia, ballon vite récupéré par Msakmi Ihab. Un shot pressing infernal exercé sur les Tunisiens par Boudbouz et consorts. Qui sera de 3 minutes. Attention, il y avait Djibour qui